1492, 6 décembre. Trois caravelles espagnoles jettent l'ancre dans une baie de l'île de la Montagne Boisée. Le chef de l'expédition s'écrie : c'est une merveille. 10 ans s'écoulent. Une reine indienne au corps agile danse. Anacaona aux fleurs d'or aime la danse au-delà de tout plaisir. Elle ne sait pas qu'elle mourra bientôt, que son corps dansera au gibet pour avoir été un corps d'indienne. 30 ans s'écoulent. 1 million d'Indiens ont péri, comme la reine Anacaona aux fleurs d'or, sur l'île de la Montagne Boisée. 1 million d'Indiens ont péri, comme la reine Anacaona aux fleurs d'or, sur l'île de la Montagne Boisée. 1 million d'Indiens ont péri, comme la reine Anacaona aux fleurs d'or, sur l'île de la Montagne Boisée. Soldats espagnols, chercheurs d'or, colons, ont fait terre rase et inventent de nouvelles bêtes de somme, les nègres, dont on remplit des bateaux ventrus sur les rivages d'Afrique. 100 ans s'écoulent. Sur un petit îlot côtier, flotte le pavillon noir à tête de mort. C'est l'île de la tortue, le repère de la flibuste, des boucaniers et des écumeurs de mer. L'un d'eux, accoquiné à Louis XIV, se retrouve gouverneur et déclare colonie française la moitié de l'île de la Montagne Boisée. 100 ans s'écoulent encore. Les anciens corsaires, les colons et les nobles se sont enrichis et la France avec eux. La colonie est un paradis luxuriant, prospère par centaines. Sucreries, cotonneries, indigoteries, briqueteries, tanneries, moulins, caféières, cacaoyères. Tout cela profite beaucoup à 30 000 blancs, un peu à 30 000 affranchis mulâtres. Et tout cela fonctionne grâce à 500 000 esclaves noirs. Une nuit d'août. La colère noire éclate en rébellion, détruit, brûle, massacre. Un petit homme de 50 ans, noir, esclave, cocher, sachant lire et écrire, sera aussi donné aux révoltes qui s'étendent une organisation militaire rigoureuse. Il sera le maître d'action de guérilla extrêmement efficace et fera preuve d'un sens politique et diplomatique étonnant. Son nom, Toussaint Louverture. Il a lu la Déclaration des droits de l'homme. Il a en tête l'édification d'une nation noire pour répondre aux siècles d'humiliation de sa race. Il reste fidèle à la France lorsque celle-ci, révolutionnaire, abolit l'esclavage. Mais quand plus tard, Napoléon Bonaparte veut effacer les traces égalitaires de la Révolution française, Toussaint Louverture s'institue gouverneur et donne une constitution à son île. La réponse de Bonaparte est cinglante. 54 vaisseaux et 20 000 soldats. La guerre est terrible. Toussaint est défait. Pris dans un traquenard, il est déporté vers la France. De Brest, en Berline, il est conduit ici. Forteresse de Joux, département du Jura, non loin de la frontière suisse.
8 mois de captivité. Neige, froid, neige, privation, froid, mauvais traitement, privation, neige, mauvais traitement, froid, désespoir, privation, solitude, mauvais traitement, solitude, désespoir, désespoir. 7 avril 1803. Toussaint Louverture est mort. Mais là-bas, sur l'île de la Montagne Boisée, les généraux de Toussaint ne prennent pas plus d'un an pour exterminer les forces françaises et proclamer l'indépendance de l'île, qui devient la première nation indépendante d'Amérique latine, Haïti. 15 ans s'écoulent. Sur la montagne du Bonnet de l'Évêque, des colonnes sans fin d'anciens esclaves haïtiens ont édifié 12 années durant, brique à brique, une fabuleuse citadelle. Citadelle magique construite pour 15 000 habitants et destinée à défier pour toujours tous les Napoléons du monde. Elle est née dans la tête d'un général noir de l'indépendance, Henri Christophe. Ancien propriétaire de l'auberge de la Couronne à la ville du Cap, il est devenu Henri Ier, roi d'Haïti. Son plus beau palais s'appelle Sans Souci. Sur l'esplanade d'honneur, dans le théâtre de verdure, dans les salons aux élégantes tapisseries et aux lustres de cristal éclatant. Dans la chapelle royale, ce sont princes de sang, princes et princesses, ducs et duchesses, comtes, barons, ministres et courtisanes en fastueuses tenues, en perruques poudrées, ministres et courtisanes en fastueuses tenues, en perruques poudrées, qui évoluent, tous et toutes, noirs comme l'ébène. Henri Ier a voulu prouver que les Noirs valaient bien les Blancs, mais il n'a su qu'égaler leur goût du pouvoir. Non, l'histoire ne se répète jamais, mais les modèles qu'imposent les maîtres pour régner sont si forts, les rêves qu'ils suscitent si alléchants, que les nouveaux affranchis les confondent avec la liberté et s'empressent de les reproduire. Dans le viseur de mon appareil, je t'ai vu courir vers moi. Tout de suite, tu m'as parlé. Si tu aimes les maisons en ruine, viens chez moi. J'habite avec ma grand-mère, mon père, mon oncle et mes cousins, et notre maison s'écroulera bientôt. Viens la photographier. Elle est belle, elle te plaira. Je m'appelle Tido. Je t'ai demandé si c'était loin, mais cette question ne signifiait rien pour toi. Nous avons marché 2 heures à travers la campagne. Maria, ta grand-mère, avait une générosité et un enthousiasme que je n'ai pas oublié. Ton oncle était malade, alité depuis 8 mois. S'il est venu sur le pas de la porte, c'est que pour vous, Haïtiens, l'hospitalité est une chose sérieuse. Tu ne t'entendais pas très bien avec ton père. Il voulait que tu travailles avec lui. Vendeur de bananes en été, d'oranges en hiver, il vendait également des pelures d'oranges qu'il faisait sécher devant la maison. Toi, tu préférais récolter le bois pour le feu ou aller chercher de l'eau. Je suis resté 3 jours chez vous. Ensemble, nous avons construit ce camion. Avec tes billes usées, ça te faisait 2 jouets. «
Lorsque je t'ai dit qu'avec ces photos de vous, je ferais peut-être une exposition ou un livre, tu as ri et tu m'as dit que Maria le saurait tout de suite, parce que des clochettes tintent à ses oreilles quand quelqu'un regarde sa photo. L'avion qui passe au-dessus de ta maison et qui m'a conduit sur le continent. Tout était en suspens, calme, immobile, paisible, silencieux, vide. Tout était en suspens, calme, immobile, paisible, silencieux, vide. La face de la terre n'apparaissait pas, seule était la mer. Les constructeurs, les formateurs, les puissants du ciel, les enfanteurs, les engendreurs étaient sur l'eau, comme une lumière verte et d'azur épandue.
Ils étaient les serpents couverts de plumes, les grands sages. Ils décidèrent de construire l'homme. Terre, terre, dirent-ils, et aussitôt elle naquit. Les grandes montagnes sortirent de l'eau, les monts, les plaines, et les ruisseaux cheminèrent entre les monts, aussitôt couverts de pins et de cyprès. Les enfanteurs, les engendreurs dirent, n'y aura-t-il que le silence et l'immobilité au pied des arbres et des lianes? Alors, ils fécondèrent les animaux qui sont les gardiens de toutes les forêts. Les cerfs, oiseaux, cougars, jaguars, serpents, gardiens des lianes. Ils leur dirent, parlez, invoquez-nous, adorez-nous. Mais il ne se manifesta pas de forme de langage. Seulement, ils caquetèrent, ils mugirent, ils croassèrent. Et l'on tint conseil sur l'homme. On chercha ce qui entrerait dans sa chair. Le maïs jaune, le maïs blanc furent moulus et firent naître l'embonpoint, la graisse, devinrent les bras, les jambes, les muscles de nos premiers pères, de nos premières mères. Les constructeurs, les formateurs leur demandèrent « Que pensez-vous de votre être ?» Ils répondirent « Trois fois grâce. » Nous parlons, nous entendons, nous méditons, nous nous mouvons, nous voyons le petit et le grand. Nous connaissons tout, les quatre coins du ciel, la terre. Les constructeurs n'entendirent pas cela avec plaisir. Jaloux, ils soufflèrent sur les yeux des hommes, ce qui les voila comme la laine sur la face d'un miroir. Ainsi furent perdues la sagesse et toute la science des hommes du commencement. Encore dans les ténèbres, la terre était bourbeuse, humide. Elle fut séchée à la première aube quand tout pareil à un homme se leva le soleil. Je suis l'Indien. Je vis sur la terre qui a enfanté mon peuple. Depuis le fond des temps, les fils du soleil construisaient des villes et des temples jusque sur les hauts plateaux. Des routes sans fin couraient jusqu'à la mer. Des ponts de lianes enjambaient les précipices. Notre terre, notre mère nourricière, appartenait à tous. Chaque famille avait sa demeure et disposait des champs qu'il lui fallait pour vivre. La communauté assurait le bien-être des vieillards et des impotents. Les anciens cultivaient le maïs sacré dans les riches plaines qu'ils savaient rendre fertiles en priant les dieux bénéfiques et en détournant les rivières. Mais le ciel s'est assombri. Les conquérants nous ont fait esclaves. Ils ont volé les plaines. Avec notre sang et nos larmes, ils ont ensemencé d'immenses champs de coton et de canne à sucre. Et ces richesses, nées de nos entrailles, sont emportées par de grands bateaux jusqu'à l'autre bout du monde, vers des villes dont nous ne connaissons pas les noms et que nous ne verrons jamais. Nous vivons en exil dans notre propre pays, mais nous savons que nous sommes les héritiers d'une grande harmonie où les hommes et les dieux respectaient l'univers. Les oppresseurs sont exclus de cet ordre cosmique. Ils sont les fils du chaos. C'est l'avidité des Espagnols qui a été l'unique cause de cette horrible boucherie. Ils n'ont connu d'autre dieu que l'or. Ils n'ont ressenti d'autre besoin que de se gorger de richesses et le plus promptement possible, aux dépens d'hommes doux, paisibles et soumis, qu'ils ont traités plus mal que des animaux et avec plus de mépris qu'une vile ordure. L'effusion de sang fut telle qu'en ruisseau il coulait à travers la cour, comme de l'eau quand il pleut fort.
Un chef indien fut condamné à mourir dans le feu. On l'attache au poteau qu'entoure le bûcher. Un religieux l'exhorte à se faire chrétien et lui promet qu'il irait droit au ciel. Quelle sorte de gens y trouve-t-on ? Demande alors le cacique. Des chrétiens y vont-ils aussi ? Oui, répond le prêtre, s'ils sont bons. Si cela est, réplique l'Indien, je ne veux pas m'y trouver avec eux. J'aime mieux aller en enfer pour avoir loin de moi une race aussi cruelle. En peu d'années, la moitié de la population indienne fut exterminée par le supplice, la maladie, l'épuisement. De nouveaux peuples prirent forme, où se mêlaient les descendants des conquistadors, les métis, les esclaves d'Afrique, et les hommes venus de partout qu'attirait la promesse d'une fantastique vallée à découvrir, riche de tous les trésors secrets, l'Eldorado. Quand la rumeur égalitaire de la Révolution française gagna les Amériques, une longue guerre mit fin à l'autorité des couronnes d'Espagne et du Portugal. Mais Simon Bolivar, le libérateur, ne parvint pas à l'unification du continent. Les divisions que l'Espagne avait habilement tracées pour maintenir son influence se renforcèrent. On dira que j'ai libéré le Nouveau Monde, mais on ne dira pas que j'ai assuré la stabilité ou le bien-être d'aucun de ces pays. J'ai peur pour la génération présente et pour celles qui la suivront. À peine les liens de la colonie étaient-ils brisés, que d'autres puissances étendirent leur emprise sur ces horizons prometteurs. L'Angleterre d'abord, les États-Unis ensuite. Les jeunes républiques latino-américaines cédèrent aux flatteries et aux intimidations des commerçants et des ambassadeurs intrigants. C'est l'Amérique latine, la région des veines ouvertes. Dès la découverte et jusqu'à nos jours, tout s'est toujours transformé en capital européen. Ou plus tard nord-américains, s'accumulant dans les lointains centres de pouvoir. L'homme blanc nous méprise et enseigne à nos fils le mépris d'eux-mêmes. L'homme blanc nous a imposé son Dieu et ses saints à la force de l'épée et de l'arquebuse. Il nous impose aujourd'hui sa nouvelle idole, l'argent. Jusqu'au fond de nos campagnes, les enfants rêvent des voitures qu'ils ne posséderont jamais. Paikuna katewanku wachata rikuaspa, nyokaka parlaet sakeliani, nyokapis kaparjunata katini wachasongkonkuta kawaspa. Moi l'Indien, je vous le dis. La pauvreté est en vous car vous ne savez plus écouter les paroles profondes des pierres et des étoiles, des pluies et des vents. Vous ne pouvez comprendre les vieux paysans de chez nous lorsqu'ils sont seuls sur leurs champs et qu'ils se mettent à genoux pour baiser la terre avant les labours. Ils murmurent cette prière dont chaque mot vous restera à jamais étranger. Pardonne-moi, mère nourricière, mais je vais une fois de plus blesser ton visage. Je dois aujourd'hui te faire souffrir pour que demain pousse le maïs sacré qui nourrira tes fils. Indien, moi aussi, je suis mineur, fils de mineur, père de mineur si Dieu le veut. J'habite là-haut où l'herbe ne pousse plus. Depuis que les conquérants espagnols ont condamné mes ancêtres à cette dure besogne, il n'y a plus d'été, il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. La terre s'ouvre et livre son or, son cuivre, son étain. J'ai appris à respirer l'air chargé de poussière malsaine, à travailler dans le vent glacé des montagnes qui transpercent tous les lainages,
à transpirer au fond des galeries dans la chaleur humide, à ignorer le hurlement des perforatrices. Les chefs du syndicat nous disent que nous sommes exploités. Nous le savons. Mon père le savait aussi. Nous savons que les richesses que nous sortons de la terre s'en vont ailleurs, enrichir des gringos. Jour après jour, la pelle et la pioche me tirent vers la tombe, et ma fatigue ne peut nourrir ma femme et mes enfants. Les salaires sont trop bas, la vie trop chère. À cause de cela, je vais aux assemblées du syndicat. Mais si nous parlons de grève, si les plus excités menacent de tout casser au village, alors comme de longues chenilles, les jeeps de la police montent de la capitale. À nous. Reste tranquille. Tu sais ce qu'il arrive à ceux qui se mêlent de politique. Je le sais. Quand je vais du village à la mine, je vois les uniformes gris au coin des maisons. Dans leurs gros manteaux, les jeunes policiers essaient de se réchauffer et font semblant de ne pas nous voir. Ils ont les visages de nos fils, mais ils sont prêts à tirer sur nous parce que les patrons ont peur de notre colère. Si les choses se gâtent, ils emmènent les chefs du syndicat. Certains ne reviennent jamais. D'autres, à leur retour, racontent les prisons où on les a battus, où ils ont eu faim et soif. Ils disent de continuer la lutte. Je suis un paysan sans terre. Mes parents possédaient quelques champs où nous semions un peu de maïs, des haricots noirs, et ma mère vendait au marché ses poulets et ses œufs. Notre histoire est banale. Un jour, le propriétaire de l'hacienda d'à côté nous a envoyé ses métayers et nous a demandé de lui vendre notre parcelle. Où irions-nous ? Leur avons-nous demandé. Vous pouvez venir travailler chez nous, ont-ils répondu. Mon père a refusé. Mais le soir, je m'en souviens, il a pleuré et a bu beaucoup d'eau de vie, disant à ma mère que le temps du malheur était arrivé. Le lendemain, des chevaux avaient foulé notre maïs. Quelques jours plus tard, en rentrant du village, nous avons trouvé les bœufs du voisin en train de brouter nos cultures. Tout s'est passé très vite. Un jour, trois hommes du gouvernement sont arrivés en jeep. Ils avaient de grandes bottes noires et des serviettes bourrées de papier. Ils demandaient quelque chose que mon père ne pouvait leur donner. J'ai compris plus tard qu'il s'agissait des titres de propriété. Le voisin revendiquait notre bout de terre. Il y eut un procès. Nous avons dû céder. Les lois ne sont pas faites pour nous. L'homme qui a volé notre maison grignote le pays tout entier par la ruse et par la force. Il obtient des crédits du gouvernement car il modernise l'agriculture. À la place de nos champs s'étalent maintenant des pâturages où pèsent des milliers de têtes de bétail. Une dizaine de vachers à cheval suffisent à s'occuper de ce troupeau dont la viande est vendue dans les grandes villes et même exportée aux États-Unis.
Sur la plantation où je me suis embauché, le travail dure du lever au coucher du soleil. Je gagne chaque jour 2 dollars. À la fin de la récolte, je ne sais pas où je trouverai du travail. La canne à sucre est haute, ses feuilles coupantes. Les enfants de 12 ans déjà apprennent à manier la machette. À l'usine, au bout de la chaîne, la rivière brune du sucre qui s'écoule me fait penser au sang d'un blessé qui meurt lentement. À force d'être traités comme des chiens, nous plions les chines toujours davantage. Car nous savons bien que s'opposer aux riches, c'est exposer nos vies. Nous savons, sans même en parler, comment disparaissent les dirigeants paysans les plus déterminés. Un soir de fête, une bagarre éclate et le meilleur d'entre nous s'effondre, un poignard dans le dos. Histoire d'ivrogne pour la police. Les tueurs ne sont jamais inquiétés. Je ne sais plus quand je suis partie. J'avais pris le bateau qui part le lundi à l'aube avec Manolito, mon dernier fils. Je sais que je ne retournerai jamais au village. Je ne sais pas ce qui m'attend. Dieu me consolera dans la détresse. Durant toute la journée d'avant, j'ai prié, agenouillé devant l'église. Je l'ai regardé longtemps pour que mes yeux ne l'oublient pas. Dans le bruit de la rue, j'ai entendu comme un murmure la bénédiction de la Vierge. Je ne sais plus quand je suis partie. Mes autres enfants s'en étaient allés, l'un après l'autre, pour faire leur vie ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Mon mari m'a quittée il y a déjà longtemps. J'ai vendu des oranges, mais les gens sont pauvres chez nous. Souvent, je n'arrivais pas à les vendre et elles pourrissaient. J'ai aussi vendu du sel. J'en achetais un sac au passage du bateau. Je le vendais par petites poignées. Je ne sais plus quand je suis partie. C'était un lundi, il y a plusieurs semaines. Au chef-lieu de la province, des curés nous ont aidés. Ils nous ont dit que Jésus est du côté des pauvres, qu'il nous donne la force de défendre nos droits, qu'il faut défendre nos droits. Les curés nous ont donné un peu d'argent pour prendre le bus. La nuit, nous dormons dans les terrains vagues, derrière les gares routières. Grâce à Dieu et la bonté des chrétiens, nous survivons ainsi, Manolito et moi. Nous sommes les chiens des rues. Les bons jours nous jettent quelques déchets, les mauvais jours nous chassent ailleurs. Je ne sais plus quand je suis partie, mais nous arriverons bientôt dans la grande ville. Là-bas, il y a des gens riches et je pourrai vendre des oranges ou autre chose. Nous vivrons mieux. J'habite ici depuis 5 ans avec Julia, ma femme. Juan, Domingo, Andrés, Carla, nos enfants. À l'époque, on nous laissait nous installer sur ces terrains vagues. J'ai construit ma baraque d'abord avec des bouts de carton. Quand j'ai trouvé du travail, j'ai pu acheter des planches et des tôles. J'espère commencer à faire un peu de maçonnerie. Mais maintenant, nous sommes menacés parce que la ville grandit et que ces terrains prennent de la valeur. Le mois passé, c'était très tôt le matin, j'ai entendu des cris et des bruits de moteurs. Des policiers prenaient position juste à côté de chez nous, dans le quartier de Santa Teresa. Ils ont averti la population par haut-parleur
qu'ils allaient mettre fin à l'occupation illégale du terrain. Les bulldozers sont arrivés. À midi, il ne restait plus une baraque. Des centaines de familles se sont retrouvées avec leurs baluchons sur les bras. Nous risquons d'y passer aussi. Mais ici, nous essayons de résister. Malgré la méfiance et la peur qui nous divisent, nous avons constitué un comité de défense des habitants du quartier avec l'aide des prêtres qui vivent parmi nous. Un peu partout dans le pays, de tels groupes de citoyens se multiplient. Le gouvernement hésite à les affronter de face car il sait qu'ils ont l'appui de la population. Je suis mécanicien. Tout autour de l'usine où je travaille, les patrons ont dressé de hautes barrières pour se protéger, disent-ils, des agitateurs, des distributeurs de tracts. Ils veulent faire croire que nous sommes manipulés par la subversion. Ils ne peuvent admettre que la révolte puisse naître au fond de nous-mêmes. Chacun sait que l'entreprise qui nous emploie est étrangère. Elle s'implante chez nous parce qu'elle peut payer ses ouvriers 5 fois moins qu'aux États-Unis ou en Europe. Je ne peux pas croire que nous continuerons longtemps d'enrichir des sociétés étrangères alors que le peuple manque de tout. Chaque fois que nous parlons ainsi, on lance contre nous les mêmes attaques. Nous sommes des communistes, des subversifs. On veut par ces mots semer la crainte autour de nous. Pourquoi l'image de Cuba et de Fidel Castro ne ferait-elle peur? Le pouvoir cherche à en faire un épouvantail. Nous savons que dans cette île, là-bas, quelque part en Amérique latine, une révolution a permis de vaincre la faim et l'ignorance. Nous savons aussi qu'au Chili, les humiliés, les exploités ont pris la parole. Les ouvriers ont occupé les usines et ont travaillé pour que les pauvres aient droit, eux aussi, aux fruits de l'économie. Les tanks et les avions qui tuèrent Salvador Allende et rétablirent le règne des riches ne parviendront jamais à faire taire toutes les voix de la colère. D'ailleurs, les maîtres vivent dans la peur. Là même où ils ont écrasé la révolution, ils ne cessent de gonfler leur corps de police et de soldats. Là où ils ont fait taire la voix du peuple, ils craignent maintenant son silence. J'ai 12 ans. Ça fait pas très longtemps que je fais partie de la bande de la 35e rue. Comme je suis le plus vieux, je suis le chef. Avant, je faisais les godasses. C'était mon frère qui m'avait appris. C'était plutôt dur. Il faut donner un pourboire au portier pour avoir les bonnes places à la sortie des hôtels, à l'entrée des ministères, et puis il faut acheter la caisse, les boîtes à cirage, les brosses, le ticket de bus le matin et le soir. Je devais bien faire 5 paires de souliers par jour, rien pour payer mes frais. Au début, je rapportais l'argent à la maison. Mon père et ma mère s'engueulaient tout le temps. Alors, je me suis mis à tout garder pour moi. J'ai commencé à me débrouiller seul. Je dors dans la rue emballé dans de vieux papiers. Avec les copains de la bande, on ne s'ennuie pas. On a commencé à piquer les accessoires de bagnole. Les essuie-glaces, les rétroviseurs, les garde-roues. Et de temps en temps, on trouve quelque chose à l'intérieur. On gagne pas mal. Il faut faire gaffe de ne pas se faire rouler par les vendeurs qui nous achètent la marchandise. Ils prennent une grosse marge. Quand on a perdu une bagarre, quand je suis triste, alors j'ai mon truc. Un chiffon que j'arrose d'essence et que je me colle sous le nez. Je respire à fond. On a les oreilles qui pètent, la tête qui gonfle, ça valse. Vous ne pouvez pas savoir. Ça me donne envie de baiser les petites vendeuses du magasin de chaussures de la 23e rue.
Je m'imagine en train de jouer au foot dans un stade bourré avec des milliers de gens qui crient mon nom. Je vois des anges monter sur des grosses motos japonaises qui tournent autour de moi en faisant un boucan épouvantable. Je sais bien que ça ne pourra pas durer, mais trouver un vrai boulot, c'est pas facile. J'aimerais bien entrer dans une école de boxe. Je sais me bagarrer. Physiquement, je suis solide. J'ai un cousin qui s'est lancé là-dedans. Il m'a dit que s'il continue de bien marcher, il va gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Ce que je lui ai dit aussi, c'est qu'il faut savoir encaisser. Les entraîneurs qui cherchent des nouveaux essayent de décourager les débutants. Il n'y en a pas un sur 10 qui tient le coup. La journée, je travaille comme magasinier. Tous les soirs, je vais à l'entraînement. Je ne vois plus rien. J'entends plus rien. J'oublie tout. Je tape jusqu'à ce que mon corps me fasse mal. J'ai les jambes qui brûlent, les bras qui tremblent. Je veux gagner. Quand j'aurai gagné ma première bourse importante, j'achèterai une Buick noire d'occasion. Et j'irai me promener avec ma mère qui pleurera d'émotion. Quand j'aurai de l'argent, je retournerai chez moi avec des costumes, des cravates et des bagues. Les gamins courront derrière moi en criant mon nom, et moi je marrerai doucement. Je leur parlerai des types qui sont devenus à moitié fous à force de recevoir des coups sur la tête. Les journalistes, l'entraîneur doit les payer pour qu'ils passent des photos de ses champions. Mais moi, quand je serai champion, quand je remplirai la grande salle de la capitale, alors vous verrez, c'est eux qui me supplieront de poser pour leur photographe. Alors, j'amènerai ma fiancée. Ce sera une blonde avec une belle poitrine. Et on sera ensemble sur la première page du journal. J'avais 16 ans quand j'ai eu mon bébé. Ma patronne m'a mise à la porte, mais ça m'est égal, parce que je n'aimais pas être domestique. Je n'ai pas osé rentrer chez mes parents. Rosita était très bonne, elle s'est occupée de moi, elle m'a réconfortée et elle m'a nourrie. Et maintenant, je paie ma dette. On est une dizaine ici. On ne sort jamais. Les clients commencent d'arriver dans la matinée, surtout des camionneurs de passage. Comme je suis jeune et je suis gentil avec tout le monde, je travaille beaucoup. J'aimerais partir, bien sûr, mais où aller? J'ai beaucoup de dettes et je suis obligé de rester chez Rosita. J'ai connu un marin norvégien qui était très gentil avec moi. Il m'a dit qu'un jour, peut-être, il viendrait me chercher. Il avait une barbe blonde très douce que toutes mes copines voulaient caresser. Nous avons beaucoup ri. J'ai beaucoup pleuré quand il est parti. Il me disait, tu ne vas pas devenir comme la vieille Angelica qui est malade, qui perd ses dents et ne trouve plus de clients, n'est-ce pas? Et moi, je lui disais que je n'avais pas peur du froid, mais son bateau n'est pas revenu. Je n'ai plus qu'une carte postale. Il me l'a envoyée d'un pays lointain, mais il a écrit en norvégien.
lorsque le commandant Hernandez a pris la direction du bureau de contrôle des autorisations d'importation à taux réduit, il s'est adressé à nous dans un discours vigoureux. Je me souviens qu'il dégageait un assez fort parfum d'aftershave. Le secrétaire du directeur précédent, un brave homme qui a dû quitter l'administration quelques jours après le putsch, avait les larmes aux yeux. C'était la première fois que nous voyions un militaire dans ce service. Chacun l'écouta avec la plus grande attention en se demandant s'il allait bouleverser la hiérarchie actuelle. Personnellement, je ne craignais rien car je ne suis que sous-secrétaire et je n'ai jamais milité dans un parti. Mon voisin de bureau, en revanche, était plus menacé. Il avait déjà rasé sa moustache noire, simplement parce qu'avant le putsch, la plupart des membres de l'organisation révolutionnaire socialiste étaient moustachus. Le commandant Hernandez nous a expliqué que le redressement économique et moral du pays exigeait de lourds sacrifices. Nous ne recevrons aucune augmentation de salaire cette année, malgré la hausse des prix. Quelques-uns d'entre nous, a-t-il également annoncé, devront être licenciés pour alléger les effectifs de l'administration. Quand il a prononcé ces mots, il nous a regardés lentement, sans oublier personne, pour voir nos réactions. Tout le monde, je crois, a commencé d'avoir peur. Je me demandais ce qui allait changer dans ma vie. Allais-je devoir abandonner mon deuxième emploi? Car je pars assez tôt l'après-midi pour aller faire des travaux de bureau chez un oncle qui tient un garage. Sans ces deux salaires, je n'arrive pas à m'en sortir. Entre-temps, mon collègue, le moustachu qui s'était rasé la moustache, a été arrêté. Et on commence à raconter des histoires inquiétantes. On dit que les suspects sont torturés, et aussi leurs parents, les proches, les enfants. Je n'ai jamais été communiste. Ma femme et moi ne demandons qu'à vivre tranquille. La seule chose que nous souhaitions, c'est de pouvoir nous offrir un jour une voiture et arranger notre appartement. Nous ne comprenons pas très bien ce qui se passe. La subversion, l'armée, ces disparitions. Autrefois, nous vivions si paisiblement. Notre pays était calme. Notre ville est presque européenne. Je suis riche, c'est vrai. Mais ne voyez-vous donc pas les fruits de cette richesse? Qui construit les villes nouvelles, les usines, les supermarchés, les logements? Ce sont les hommes qui croient à l'avenir de cette nation, et non pas ceux qui la dénigrent. Le spectacle de la misère vous blesse, ai-je nié qu'elle existe? Nos pays sont encore jeunes. Laissez-nous le temps d'avancer sur le long chemin du progrès social. Laissez-nous agir, laissez-nous produire, laissez-nous construire, mais laissez-nous également barrer la route à la subversion. Nos armées et nos polices ont écrasé les guérilleros de tous bords. Nous veillons et nous restons armés. Votre vieille Europe s'effondre, minée par ses doutes et ses faiblesses. Laissez-nous être forts. Nous sauverons les droits sacrés de la propriété, de la famille et de la patrie. Nous ne vous suivrons pas sur les chemins douteux de l'égalité entre des hommes dissemblables. J'ose dire à voix haute ce que mes amis européens, terrorisés par leurs adversaires, ne peuvent plus proclamer. J'ose dire que nous, propriétaires des terres et des usines, des villes et des campagnes, héritons d'un pouvoir à défendre. Si la guerre civile éclate, vous serez bien obligés de nous aider. Vos sociétés ont trop investi chez nous, notre système est le vôtre. Si par malheur ce continent bascule un jour dans la révolution, je viendrai vous dire mon dégoût et ma colère. Je n'aurai pas besoin de vous demander la charité, car vos banques, vous le savez, sont pleines de notre argent. Que vous le vouliez ou non, nos destinées sont mêlées. De grosses voitures noires glissent dans la ville. Les hommes d'affaires se donnent rendez-vous à l'hôtel Sheraton. Dans les salons climatisés, les généraux en civil offrent des cocktails.
leur fille pose en riant pour la chronique mondaine des magazines. On parle d'aller à Paris en Concorde. Et le 2e régiment d'infanterie de la marine bouclera ce soir les quartiers périphériques du nord de la ville où l'on a trouvé des tracts subversifs. Brésil, Uruguay, Chili, Argentine, armée, assassinat, torture, extermination, inflation, chômage, misère, désespoir. À Rio, Montevideo, Santiago, Buenos Aires, la vie politique était intense, ouverte aux voix des aspirations populaires. En moins de 10 ans, les rêves de liberté sont devenus cauchemars. À chaque fois, l'histoire paraît se répéter. Le peuple réclame d'abord une meilleure répartition des richesses. Le combat politique se livre au grand jour. Mais déjà, les possédants se sentent menacés et renforcent les pouvoirs de la police et de l'armée. Des petits groupes extrémistes passent à l'action, enlèvent des ambassadeurs et des patrons, attaquent des banques et des casernes. Aussitôt, une formidable machine policière se met en marche. Elle écrase les desesperados, bientôt tous arrêtés, torturés, massacrés ou exilés. La dictature prend ses quartiers. Soldats et policiers triomphants, ayant goûté au pouvoir sans partage, continuent de remplir les prisons et les discrètes villas de banlieue où l'on torture, les casernes où l'on assassine. Tous ceux qui ont cru à la justice, à la liberté, deviennent suspects. Les livres brûlent, les journaux disparaissent. L'intelligence et l'espérance sont bannis au nom de l'ordre et de la sécurité. Les tyrans galonnés ont leurs alliés, discrètement installés aux commandes du pays, à la tête des grandes entreprises. Les investisseurs et les diplomates américains, européens et japonais ne reconnaissent qu'une légitimité, celle du plus fort. Car le règne des militaires est un rempart efficace aux revendications des travailleurs. Il est la garantie que les salaires augmenteront moins vite que les prix, que les bénéfices seront toujours plus grands. Les riches deviennent toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Dans la logique de ce système, les puissantes multinationales renforcent leur position et les entreprises locales s'essoufflent et disparaissent. Les fanfares militaires claironnent la grandeur nationale, mais dans la réalité, le pays cède toujours davantage face à des pouvoirs économiques étrangers. C'est la loi des échanges inégaux dont profitent à l'Est comme à l'Ouest les nations industrialisées qui vendent leurs produits au prix fort et achètent au meilleur compte. También aquí se quiso huir, dejarlo todo atrás, reanudar el silencio, desbaratar una copiosa primavera, pasar por alto algo más todavía. Pero muchos años han pasado por este poema, con muertes y orgasmos, amores y guerras, soledad y dictadores. El tiempo es una paciencia largamente presentida y elástica. Ya no hay tiempo que perder en mitos y melancolías. Ya no es tiempo de perder.